Nous avons souhaité accompagner ce projet-là parce que il nous paraît tout à fait pertinent. Il y a souvent des jeunes diplômés, des gens qui ont fait l'effort de faire des études, qui ont des niveaux Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5, et qui malheureusement ne trouvent pas d'emploi au niveau de leur qualification. Il y en a aussi un certain nombre dans les quartiers, leur patronyme, leur adresse, les pénalise dans leur recherche d'emploi. Donc il faut les aider à les mettre en contact avec les entreprises, peut-être parfois leur donner les codes. La vie dans une entreprise n'est pas la vie qu'on a à l'université. Il faut comprendre comment ça marche, comment on coopère avec les autres. Donc c'est la vocation des NPT, ça nous a paru vraiment utile de les aider à faire ça. La bataille de l'emploi n'est pas une bataille isolée. Il faut qu'on soit tous mobilisés pour la gagner. Ça révolte dans un sens, dans le sens où aujourd'hui on a besoin d'une association pour accéder à un emploi en étant jeune diplômé issu, pour ma part, de parents maghrébins, marocains. Donc aujourd'hui, on se sent un peu révolté. Parce qu'aujourd'hui, moi, mes collègues de la promo dans laquelle j'ai fait mes études, au bout de 3 mois, ils avaient tous un emploi, un ingénieur dans des grandes entreprises. Moi, au bout de 6 mois, je me disais, mais c'est pas normal, il y a quelque chose qui clochait. Donc moi, j'avais comme une barrière aujourd'hui par rapport au marché du travail. Et c'est ça qui peut aujourd'hui révolter les gens comme moi qui sont issus de l'immigration, quoi. Et justement, cette association permet justement de sauter cette barrière, quoi.